Cancer, mes chers, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Lecture qui va se faire sous la forme du cœur que certains d'entre vous connaissent très bien. Pour les autres, je vous explique brièvement. Le côté droit, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Cancer. Et l'autre côté, c'est pour celui du partenaire, représente votre partenaire. Maintenant, si vous n'avez pas de partenaire, il peut très bien s'agir de la personne à laquelle vous pensez, à laquelle vous aspirez. Il peut également s'agir d'un collègue, d'un ami, d'un membre de la famille avec qui en ce moment les relations peuvent être un petit peu tumultueuses. Et à travers cette vidéo, vous pouvez peut-être trouver une résolution ou une issue à cette relation. D'accord ? Si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté, n'hésitez pas à changer. Ça n'altère en rien la lecture. Moi, je vais parler du partenaire, mais vous adaptez bien évidemment en genre, c'est clair. C'est pour pas perdre trop de temps à dire il, elle chaque fois. Hein, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Les jeux que j'utilise sont nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Et puis, cette lecture aura son extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Dans la rubrique hors-série, puisqu'il s'agit d'un hors-série. Ah oui, encore une chose, à la fin de la lecture sur YouTube, je vous sortirai un oracle ici du jeu Union, et à la fin de l'extension, je sortirai un autre oracle de l'amour universel que vous connaissez pour certains d'entre vous. Voilà, j'ai tout dit. Alors, Cancer, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou signe ascendant en Cancer, cette lecture peut vous concerner. Nous avons en point de départ de votre relation 2 de bâton. Alors, 2 de bâton nous fait comprendre que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Il y a une décision à prendre qui va engager votre avenir, qui va engager votre vie. Quelque part, vous avez déjà pris cette décision, mais soit vous ne l'assumez pas complètement encore, soit c'est pas encore le moment de l'afficher, de l'affirmer, de le dévoiler. Il y a une hésitation, sachant que c'est un engagement important, d'accord ? C'est un engagement important, donc il y a pas d'hésitation, c'est pas ça. C'est que il y a peut-être encore un peu de réflexion, il y a peut-être encore un petit peu d'attente par rapport à ça. Votre état d'esprit, Cancer est à la 6 de denier, waouh, et à la tour. Alors, moi je crois que vous êtes dans une relation, alors qu'elle soit amoureuse ou non, où il y a une réciprocité, il y a un échange, c'est donnant-donnant. Mais votre état d'esprit serait à rompre cet échange donnant-donnant. D'accord ? La tour ici, c'est genre je me retire de cet échange donnant-donnant. C'est comme si en fait, subitement, vous décidiez de ne plus donner ou de ne plus recevoir. Vous coupez ça, vous ne voulez plus recevoir ce que vous recevez ou vous ne voulez plus donner ce que vous donnez. État d'esprit. On va essayer de comprendre pourquoi et ce qui se passe hein, là. Alors, je les mets de façon à ce que vous voyez tout, ou est-ce que vous voyez comme ça, oui. Alors, état d'esprit de votre partenaire, on a 9 de coupe et tempérance. Alors, votre partenaire est dans l'abondance, 9 de coupe. Il ou elle est dans une situation où il se sent repu d'émotions, il est bien, il a ce qu'il faut, il est nourri, il a l'amour à profusion, il en a tellement qu'il partage avec Pierre-Paul Jacques. Enfin, c'est quelqu'un qui regorge d'abondance, qui baigne dans l'abondance, qui est dans un état, dans une situation où émotionnellement il est rempli et nourri pleinement. Hein? On voit ce personnage ici qui est un petit peu d'embonpoint. Il faut voir la symbolique, c'est je suis gavé presque d'amour et de bons sentiments et d'émotions positives et voilà.
Avec ça, il a la tempérance. Donc, ça veut dire qu'il est en train de, je pense, tempérer ses élans. Il est en train de tempérer les choses. Il fait preuve de beaucoup de patience et lui-même ou elle-même, hein, vous adaptez, est en train de chercher une forme d'équilibre. Oui, je suis repu, je suis dans l'abondance, mais c'est peut-être trop. J'ai besoin de trouver un autre équilibre, j'ai besoin de trouver un équilibre dans la patience, j'ai besoin de trouver, j'ai besoin de modérer tout ça, j'ai besoin peut-être un petit peu de réduire ce flux d'abondance, d'amour, ou voilà, d'accord? État d'esprit. Ensuite, de votre côté, de là d'où vous provenez de 6 de bâton. Ça veut dire que vous provenez d'un état, d'une situation où vous étiez un petit peu admiré, vous étiez peut-être un petit peu envié, jalousé, vous étiez peut-être épié, vous étiez probablement, comment est-ce que je dois dire ça, un exemple ou un modèle à suivre pour d'autres. Peut-être pour votre partenaire d'ailleurs, c'est possible. Mais voilà, il y avait une sorte de couronne de laurier sur votre tête. Vous étiez peut-être le héros du jour et il y avait une forme d'admiration de la part du partenaire pour vous. Le passé de votre partenaire est à la 7 de denier. Le partenaire provient d'un endroit où lui, il a passé du temps à faire le bilan, à faire l'état des lieux. Il était dans la moisson de ce qu'il avait semé. Alors, est-ce que cette moisson était profitable ou non? Est-ce que le bilan est positif ou non? Est-ce que, voilà, mais ça, c'était avant, d'accord? Vu l'abondance qui est le sien, il faut croire que la moisson était plutôt positive, bonne. Les deux cartes suivantes sont les actions que vous entreprenez. Ouf, le diable et la justice. Alors, le diable me fait comprendre que vous vous sentez un petit peu. Alors, vous pouvez vous sentir étouffé. Il y a une sensation de perte de liberté, de perte d'autonomie, de perte d'être enchaîné, d'être entravé. Hein, vous pouvez avoir la sensation d'être un peu entravé, d'être un peu enchaîné, enfermé dans quelque chose. Et la justice fait que vous souhaitez vous en libérer. D'accord? La justice nous explique que vous cherchez à rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous êtes en passe de prendre une décision peut-être un peu tranchante. Le fait d'avoir cette sensation d'être entravé, ça peut être dans cette relation avec ce partenaire, mais ça peut aussi être vous avec vos propres pensées. Peut-être que vous avez des pensées qui sont un petit peu autodestructrices, qui sont auto-étouffantes. Il y a un enchevêtrement qui fait que vous avez cette sensation d'avoir perdu une forme de liberté. Et la justice à côté du diable nous explique que ça va pas durer longtemps, d'accord? Parce que vous allez bientôt sortir ce grand glaive de justice, vous allez rendre votre justice et vous allez rétablir votre justice pour que les plateaux soient à nouveau équilibrés. Action engagée de votre part. Vous libérez de cette sensation d'être enchevêtré dans quelque chose, d'étouffer peut-être. C'est peut-être pour ça que ici vous souhaitez rompre cet échange, cette réciprocité, parce que vous avez peut-être l'impression que vous vous êtes engagé dans une voie où vous vous sentez être étouffé, être obligé de rendre à l'autre ce qu'il vous donne, alors que en fait ça vous emprisonne. Il y a quelque chose ici qui appelle à la libération. Comme si vous ne pouviez plus respirer. Les actions engagées du côté du partenaire, la reine de denier et le valet de bâton. Alors, le partenaire s'engage, lui, à prendre soin de lui. Le valet de bâton, ici, nous parle de son enfant intérieur. D'accord? L'enfant intérieur qui fait qu'il se sent joyeux, qu'il se sent bien, qu'il a envie de vivre, qu'il a envie de rire, qu'il a envie d'éclat de rire, qu'il a envie de complicité avec vous, qu'il a envie de passer des bons moments, il a envie de croquer à la vie, il a envie de vivre la vie sous sa plus belle et sous sa meilleure forme possible. Et pour ce faire, il va prendre soin de lui. Il peut entrer en thérapie,
pour retrouver, pour renouer avec son enfant intérieur, mais il peut aussi tout simplement s'engager sur un chemin, par exemple, d'une hygiène de vie plus équilibrée, plus s'occuper de lui, s'occuper de son estime de lui, s'occuper de l'image qu'il dégage, s'occuper de préserver ce qu'il possède. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre soin de ce qu'il possède, de ce qu'il a, dans le but d'être plus en contact avec sa joie de vivre, dans le but d'être plus à même de croquer la vie à pleines dents et à jouir de la vie. Conseil qui vous est donné à vous ici, plus de légèreté. Plus de légèreté, plus de joie, plus peut-être aussi de contact avec vos amis. C'est le réseau. Hein, 3 de coupe, c'est le réseau, c'est les amis, c'est parler de ce qui m'arrive, parler de ce que je vis. Je me soulage à partir du moment où j'en parle à quelqu'un, je porte déjà plus que la moitié de la charge sur mes épaules, puisque l'autre moitié, c'est celui avec qui j'ai partagé, qui le porte. Donc, plus de légèreté, plus de joie, plus de bons moments, plus de festivité dans votre vie. Conseil donné. Conseil donné au partenaire, 5 d'épée, se battre. D'accord? Se battre. Se battre pourquoi? Vraisemblablement pour renouer avec son enfant intérieur. Vraisemblablement pour essayer de comprendre ce qu'il a à protéger, ce qu'il a à privilégier dans son existence, dans sa vie, dans ce qu'il possède, pour le faire fructifier. Se battre. Ne pas baisser les bras. Il entre. C'est le conflit, 5 d'épée. Ne pas avoir peur de mettre le désordre, de provoquer le désordre, provoquer la dispute, provoquer la discussion pour clarifier les choses. Alors, les actions et l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, 10 de denier qui nous parle de sécurité, qui nous parle de bâtir pour le long terme sur un terrain stable, sur un terrain solide où tout le monde se sent en sécurité. C'est construire son arbre généalogique. C'est se bâtir une descendance. C'est honorer ses ascendants. D'accord? C'est reconnaître qu'on a une place, un rôle dans une lignée familiale, l'honorer et se sentir en sécurité dans cette lignée familiale. Alors, notre oracle. Alors, selon les indications de l'auteur de ce jeu, vous devez être attentif à la couleur qui va être représentée, au titre de la carte et également aux 3 mots-clés qui sont inscrits dessous. Qu'est-ce que ça initie en vous? Qu'est-ce que ça engendre? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? D'accord? Intuitivement. Alors, on va prendre celle-ci. Waouh! Waouh! L'eau. Couleur mauve, l'eau qui est, je le rappelle, l'élément du signe du cancer, quand même, c'est un signe d'eau, le cancer. Et les 3 mots-clés sont la mer, la fluidité et la relaxation. Mer, fluidité et relaxation. Alors, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a des vacances relaxantes au bord de la mer dont il faut peut-être profiter, organiser, ça va vous aider, d'accord? Bon, alors, ça c'est fait. Le passé, on le laisse derrière et on va préparer notre extension. Donc, je rappelle pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet dans la rubrique des hors-séries, n'est-ce pas? Et puis, on va voir ici ce qu'on a pour vous. Donc, on commence avec 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2 de bâton? On a le chariot. Le chariot, c'est votre carte. Point de départ. Ok? Ici, votre état d'esprit avec la tour et la 6 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici dans l'état d'esprit? 8 d'épée. Ouais, on se sent un peu bloqué. État d'esprit du partenaire ici. 3 de coupe. Partenaire a envie de faire la fête, lui. Les actions que vous vous engagez ici, quelles sont-elles avec le diable et la justice, cette sensation d'étouffement? Quelles sont les actions que vous engagez? 10 de coupe, superbe. Punaise, vous avez quand même 2 fois 10, hein, là.
Action engagée du côté du partenaire. La tour. Waouh. Ouais. La tour. Ok. Conseil qui vous est donné avec la 3 de coupe. On a la reine de denier. On retrouve les mêmes cartes de part et d'autre. Hein? Conseil donné ici au partenaire avec la 5 ici d'épée. On a l'ermite. Ok. Le partenaire, il va devoir réfléchir un petit peu. Il va devoir calmer peut-être un petit peu son enthousiasme et se mettre à réfléchir. L'issue vraisemblable de la relation à ce stade, 5 de bâton. Ok. Il y a du mouvement. Et ici, le roi de denier. Ok, mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ça n'est pas cancer. Ça peut compléter la lecture. Merci de partager, de liker, de vous abonner, mais surtout de laisser un commentaire pour les autres personnes du signe ascendant et lune en cancer. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Et tous les autres, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord ? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.